挽回。Salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Arceus et aujourd'hui, eh bien, je vais vous montrer comment avoir un Shiny gratuitement, obligatoire, et ça pour tout le monde. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, ça aide au référencement, ça aide la chaîne à grandir. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notif et n'hésite pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Alors, pour avoir ce Shiny, petite obligation du jeu. Il faut avoir battu le premier grand boss, on va dire, le Hachekatur, le roi de la forêt. Et une fois que c'est fait, vous allez dans la ville, vous retournez au QG. Au QG, dans le laboratoire du professeur Lavande. Chose qu'on va aller faire. Tableau des missions secondaires et vous choisissez la mission 19. Mission 19 que j'ai déjà choisie hein, à ce moment-là. Donc le laboratoire, c'est ici. Le tableau là. Et vous choisissez la mission 19. La mission 19 va vous demander d'aller rejoindre une personne sur le pont. Rien de compliqué. On va y aller directement. Je vais vous montrer que c'est juste à côté. Vous passez par le dojo. Hop. Hop. Il est là, sur le pont. On va lui parler. Yota. Laisse-moi t'expliquer le problème, un Ponyta comme personne n'en a jamais vu dans le coin est apparu à Falfaria. Il ne ressemble à aucun Ponyta et pour être honnête, il me fait un peu peur. Quand j'en ai parlé au professeur, il m'a dit qu'il avait très envie de faire des recherches sur lui. Je lui ai donc promis que j'observerais de plus près. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, tu me rendrais fier service si tu voulais bien te rendre à Valferrache pour attraper cet étrange Ponyta. Et bah c'est parti. Valferrache dans les plaines obsidiennes. On y go. Donc là, on ressort de la ville très rapidement. Tac. On va voir Oscar. Tu sors du village. On va dans les plaines obsidiennes. On va prendre le bivouac des plaines. Hop. La petite monture. Et du coup, pour voir Valferrache, alors si on fait moins, voilà, vous avez Valferrache qui est ici. Vous voyez, on est absolument pas loin de Valferrache, c'est quasiment tout de suite. Là, on n'a plus qu'à descendre. Hop. Hop là. Et il va y avoir un Ponyta bleu, un Shiny, qui va y être. On est dans Valferrache. Il n'y a plus qu'à le trouver. Là, il y a du Ponyta. Hein. Bah, hop. On va repasser avec... Hérisson contre l'arbre. On a du Ponyta par là. On a ici également. On a juste à le trouver. Un autre Ponyta. Voilà, on rentre dans la zone du galopin. Ça, c'est pas ouf. Alors. Je vais vous épargner la recherche parce que, pour ma part, je ne l'ai pas réellement encore trouvé. Je vais vous épargner la recherche. On va se retrouver dès que je serai dessus. En même temps, il y a un autre système et j'y avais pas pensé sur le coup. Je viens juste d'y repenser. Vous allez sur le bouton moins de la manette. Vous choisissez les quêtes secondaires. Et vous trouvez la quête, un étrange Ponyta. Vous la sélectionnez. Ça vous met directement où aller. Voilà. Hop. Là, vous voyez que j'étais au même endroit, hein. Et ça va lancer la cinématique pour le Ponyta. Donc on était vraiment à côté. Hein. Hop. On y va directement.
Voilà, la cinématique se lance. Et vous avez le Ponyta Shiny qui apparaît. Alors, petite astuce qui peut être utile à ce moment-là, faites quand même une petite sauvegarde. Si vous ratez votre coup, ce serait bien de pouvoir sauvegarder et de récupérer votre Ponyta si vous le ratez. Hop, donc une petite sauvegarde. On va faire ça. On va passer direct avec les Super Balls pour ma part. On les a. S'approcher du Ponyta. Et voilà comment avoir un Ponyta Shiny. On n'a plus qu'à partir. Revoir Yota, terminer la mission. Hop. Celui-là avait l'air de me suivre beaucoup. Il s'échappe. Une fois que ça c'est fait, bah vous pouvez refaire encore une fois moins. Vous pouvez faire le X. Où souhaitez-vous vous rendre? Bivouac des plaines. Comme ça, on revient directement au bivouac avec le petit téléchargement rapide. Hop. Et on a le Ponyta Shiny niveau 15. Parfait. On retourne du coup au village. On va remontrer à Yota le Ponyta en Shiny. On va actualiser le Pokédex. Voilà. On retourne au village. Moi, je vais l'incorporer dans la team. On va aller voir Yota. Et on en aura fini pour cette mission où vous aurez du coup un Ponyta Shiny obligatoire. Tout le monde peut l'avoir. Du coup, vous avez vu qu'il est assez simple. On n'a pas besoin de le combattre. Tout se fait réellement juste en prenant le temps de le capturer doucement. Alors on reprend le Ponyta. Pour ma part, je vais le mettre à la place de Mustiboué que je n'utilise absolument pas. Bon, ça c'est juste parce que moi je le veux dans l'équipe. Hein. Et on retourne voir Yota au pont. Donc là, hein, il y a plusieurs chemins. Le village, on peut y accéder un peu de partout. Et la mission 19 sera donc terminé. Petite astuce assez intéressante, c'est quand même de faire les quêtes secondaires. Hein. Ça rajoute du contenu et c'est plutôt pas mal. Aucun galard qui était très étonnant en voyant des Ponyta du coin en regardant leur crinière enflammée avec des yeux grands comme des. Ponyta des crinières faites de flammes bleues, ça ne m'étonnerait pas d'apprendre qu'il existe d'autres Ponyta encore plus étranges. Hop! Et nous avons donc le Ponyta Shiny des Beframbi dans la box. Du coup, n'oubliez pas de faire le moins une fois que vous avez choisi votre quête, de faire Y pour mission et de partir sur les secondaires qui vous affichera directement là. Vous voyez que j'ai toutes les secondaires ici à sélectionner. Je les avais toutes prises pour faire un petit peu de off. Mais celle-là était un petit peu intéressante à vous montrer en vidéo, sortie un petit peu du let's play. Sur ce, les amis, nous, eh bien, on se laisse là. Passez une bonne journée, un bon dimanche. Exceptionnellement, hein, c'est la deuxième vidéo en ce dimanche. Et nous, on se retrouve dès demain pour la nouvelle Max Blade Monday News. Ciao, ciao. Bankai!